Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour les 15 prochains jours, c'est-à-dire du 16 octobre au 31 octobre. Ouais, c'est ça. 2023, les amis, pour votre signe astro. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Comme toujours, on va regarder ensemble le message déjà général pour ces 2 prochaines semaines. On va aller voir un petit peu l'ambiance, voir un petit peu ce à quoi vous pouvez vous préparer, ce à quoi ça peut résonner déjà actuellement dans votre vie. Ensuite, on ira voir un peu plus en détail au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental. Si vous avez une question, préparez-la parce qu'on ira voir la réponse, le conseil des anges pour vous. On ira voir le chakra à débloquer pour vous accompagner au mieux pour ces 2 prochaines semaines. Et on terminera avec un petit ou 2 petits conseils. On verra en fonction de comment ça se présentera. Voilà les amis. Ah oui, petit point général avant toute chose. Parce que ces derniers temps, je vous ai beaucoup partagé mes ressentis, etc. Donc écoutez, je poursuis puisqu'a priori, ça vous plaît aussi. Donc voilà. Pour ceux que ça ne plaît pas et que vous ne voulez pas écouter tout le blabla, vous avez, puisque c'est comme ça que vous le mettez en commentaire, hein, sinon je ne me permettrais pas. Moi, je trouve pas que c'est du blabla, mais après, chacun ses choix. Vous savez comment je pense, moi. Vous êtes libre de faire comme vous voulez, comme bon vous semble, et de ne rien vous imposer. Et donc, vous avez la minuterie pour ça, directement dans le descriptif de la vidéo. Épinglez dans les commentaires si vous voulez passer l'intro, si vous voulez aller que au relationnel, que au professionnel. Vous faites comme bon vous semble, les amis, comme c'est juste pour vous. Et donc, vous avez tout en dessous. Ok? Sinon, à part ça, au niveau des énergies, j'ai l'impression qu'on sort un peu de la lourdeur, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ceci étant, on rentre dans le mois d'octobre et donc on est quand même bien entamé l'automne. Les pleines lunes, les nouvelles lunes n'ont pas été faciles ces derniers temps quand même. Hein. Ça chamboule pas mal. Et attendez, parce qu'on arrive sur la saison des éclipses, donc apparemment ça va être assez intéressant aussi. Ne hein. Vous inquiétez pas, le tirage pour la nouvelle lune de cette semaine arrive, puisqu'elle est le 14. C'est pas si c'est la nouvelle lune en balance. Voilà, qui va vraiment démarrer l'automne. Bon, c'est vrai qu'au niveau du temps, on n'a pas trop l'impression d'être en automne. Donc bon, écoutez, hein, c'est comme ça, hein, on fait avec. Ceci étant, ouais, j'ai l'impression qu'en tous les cas, les lourdeurs, en fait, on commence à avoir un espèce d'atterrissage et à avoir un petit peu le plateau, en fait. Vous savez, mais en fait, moi, je trouve que quand il y a une montée, il y a un plateau après. Et quand il y a une descente, il y a un plateau aussi pour repartir. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on est sur ce plateau là comme ça, hein, que ça libère en même temps, on est un peu fatigué, on récupère aussi hein, un peu beaucoup quand même. Et puis bah voilà, on va bientôt aller vraiment dans l'automne et ça va y aller, il y aura ce qu'il y a à avoir. Et puis voilà, moi je vous dirais que ça commence, voilà, j'ai la patate une partie de journée, après une autre partie de journée je suis un peu plus fatiguée et un petit peu je sens en espèce de régénérescence, un peu comme ça où on me dit oh, tranquille. Vas-y, tranquille, je suis pas en vitesse croisière, ça c'est certain de d'habitude, mais écoutez, je trouve ça tend à être sur un plateau, donc c'est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire pour vous. Et on verra bah, du coup pour ceux qui sont intéressés par les tirages de lune et surtout les énergies lunaires, on verra à ce moment-là ce qui ressort pour la nouvelle lune en balance. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent, merci pour tout l'amour que vous me donnez. Vraiment en retour de l'amour que je vous donne dans mes vidéos. Je vous remercie infiniment les amis. Et c'est toujours avec grand plaisir de vous faire toutes ces vidéos parce que vous me remerciez très souvent. Vous venez même me faire des vocaux pour me dire comment ça a un impact dans votre vie. Et écoutez, je suis là pour ça. Et ça me fait très plaisir de le faire. Et voilà. Tout simplement. Donc gratitude à vous de venir me le dire. Hein, voilà les amis. Pour les nouveaux, eh ben, si vous avez écouté jusqu'ici, eh ben, merci pour avoir écouté. Et puis belle découverte. J'espère que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas bien entendu à vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous ne prenez pas, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne résonne pas avec vous. Vous faites preuve de bon discernement, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Je vous rappelle qu'on est sur des guides en général, donc je vous invite à aller voir votre signe solaire, oui, mais votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose de plus complet. Ok? Et bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à tous, les amis. Mes amis vierges, c'est à nous, on y va? Ce qui vous attend, les amis. Sur les 15 prochains jours, c'est-à-dire du 16 au 31 octobre 2023. On va aller voir ça tout de suite, les amis.
ce qui vous attend, quels sont les messages pour vous. Alors déjà, nous avons le voyage. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît. On a la fatalité. Ok. L'homme. Ok. On a la réunion. D'accord. La chance. J'adore. Et je suis vierge pour ceux qui ne le savent pas. Et le miroir magnétique. Waouh, incroyable. Alors, je vous explique. C'est possible que pendant ces deux prochaines semaines, il y ait un déplacement de prévu, peut-être un voyage, hein, entre autres. Dans tous les cas, les choses vont se passer de manière inattendue. Alors, il n'y a absolument pas de négatif là-dedans. C'est-à-dire que oui, sous la forme, ça peut être, vous pourriez le voir en mode bloquant. Mais si vous voulez, c'est exactement ce qui doit se passer pour que les choses s'enchaînent. Je vous explique. Soit un déplacement, un voyage, ou bien quelque chose, ça peut, c'est pas forcément très loin. C'est quelque chose que vous avez prévu de faire. Mais ça peut être en soi un déplacement ou un voyage. Bref, dans tous les cas, ici, il y a quelque chose qui vous amène à vous évader, à faire quelque chose de différent, à faire quelque chose de changeant. Et en fait, cette chose qui va vous faire changer, elle va vous faire radicalement changer de point de vue sur quelque chose. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, mais ça va vous faire changer de point de vue. Et de point de vue en lien avec votre manière de faire, d'appréhender quelque chose, peut-être sur la jante masculine, dans le masculin en tant que tel. Et ça peut être représenté par une femme parce que vous pouvez rencontrer une femme qui agit d'une certaine manière et qui vous fait percuter quelque chose, comprendre quelque chose sur vous ou qui vous révèle quelque chose dans sa manière de faire qui devient une évidence, vous voyez ? Dans tous les cas, il y a une fatalité. Ici, la fatalité, c'est le coup de foudre, c'est le truc qui nous tombe dessus. Effectivement, on peut avoir un voyage qui est retardé. Alors, je vous dis les trucs négatifs comme positifs, mais en fait, en soi, ici, on vous dit il n'y a rien de négatif ou de positif. Il y a juste les choses, elles se passent exactement comme elles doivent se passer parce qu'il y a quelque chose qui doit débarquer ici. Et on a la chance et le miroir magnétique. Donc, j'ai envie de vous dire, le message que je dois vous passer, c'est mettez-vous dans les bonnes conditions de « j'accueille ce qui est ». Parce que réellement, c'est au milieu de tout ça, peut-être un peu dérangeant, mais aussi tout à fait positif, qu'il y a une chance qui se propose. Mais il faut que vous soyez dans la disposition d'accueillir. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est réellement, et moi j'ai quand même beaucoup l'impression, pour beaucoup ici, on peut avoir le rapport de l'homme, d'une manière ou d'une autre, que vous soyez un homme ou l'homme en face de vous. Il y a quelque chose, et vous savez que vous soyez une femme et que ce soit l'homme en face de vous, c'est une partie de vous aussi parce qu'à l'intérieur de nous, on a le masculin et le féminin. Les deux sont là, présents en nous, sinon on ne pourrait pas agir. Hein. On serait que dans la réceptivité, si on était que dans notre yin, on serait que dans la réceptivité, dans la papesse, quoi, dans l'intériorité, dans l'émotionnel, dans le ressenti. Mais on n'arriverait pas à agir, à faire des choses vers l'extérieur, à le projeter à l'extérieur. Et pareil pour les hommes, s'ils étaient que dans l'action, ils n'auraient pas de ressenti, pas d'émotion, si vous voulez, pas de conscience d'une certaine manière, si je peux schématiser comme ça, parce que là, ça on va trop loin, mais vous comprenez l'idée. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose ici qui va venir se révéler par rapport à ça, que ce soit votre position d'homme ou que ce soit l'homme en face de vous. Il y a quelque chose qui... Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est à travers des discussions. Et c'est à travers le fait de rencontre ici. Avec la réunion, on peut avoir un moment où on rencontre quelqu'un, où on rencontre des personnes. Ici, pour certains, amoureusement, on rencontre quelqu'un. Ça, il n'y a pas à dire, les amis. Il y a une belle rencontre, c'est un peu un coup de foudre quand même. Hein. Mais dans tous les cas, il y a une espèce d'eureka ici. Ce qui est très intéressant avec le miroir magnétique et la chance, c'est qu'on vous dit, peu importe ce qui se passe, soyez dans la réceptivité vraiment. Parce qu'en fait, en fonction de ce que vous allez vibrer à travers ce qui va se passer, vous allez attirer la chance parce que vous allez la regarder, parce que vous allez être disposé à voir l'opportunité ou le positif, même si la situation ne se déroule pas comme prévu. Vous voyez ? Ça peut être, je vais vous donner un exemple, alors là je vous fais des films à chaque fois parce que c'est comme ça que je les vois en fait, quand on monte les images, c'est ça que je vois. Ça peut être, votre train est retardé, il est retardé de 3 heures.
Ok, ça vous saoule. Sur le premier truc, vous êtes là, oh là là, 3 heures et tout. Vous allez vous poser un café. Et il y a quelqu'un qui vient se poser à côté de vous. Et vous commencez à discuter. Et là, c'est la rencontre de votre life. Et ben après, vous allez bénir toute votre vie ce train qui a eu 3 heures de retard. Vous voyez? C'est un peu ça l'idée. Ok, on va aller voir avec la liasquée. On va aller voir les précisions. Alors, sur le voyage et la fatalité, s'il vous plaît, qu'est-ce que je peux avoir comme précision? On adore, hein, ceci étant, le destin est en place. Il y en a trop. Il y en avait au moins 6. Voilà. On vous dit que vous êtes à l'aube de l'accouchement de quelque chose. C'est le moment. Alors, peu importe ce que c'est qui débarque, on vous dit que c'est exactement le bon moment. Donc vraiment, soyez dans la prise de hauteur et regardez les détails, hein, juste ça, hein, parce que vraiment, c'est le moment pour vous d'accueillir ce qui débarque là. Et ce n'est pas forcément l'événement qui débarque, c'est la conséquence de l'événement, parfois. Ça peut être l'événement en tant que tel, si c'est le coup de foudre, comme ça peut être l'événement qui crée la conséquence. En tous les cas, vous, vous êtes prêt ou prête à vivre cette phase, parce que cette carte, elle représente également le fait que vous accouchez de vous-même, d'un renouveau, d'une nouvelle manière d'être. Vous voyez, ce fameux serpent qui mue, quoi. Fatalité et homme, s'il vous plaît. On vous dit que c'est un nouveau départ. Bon, bah, clairement, c'est le top départ, c'est le timing. Il y a de beaux événements, il y a des rencontres, il y a quelque chose qui débarque, qui vient comme un. C'est comme la rencontre, c'est vraiment le destin là. Mais le destin, parce que vous êtes prêt ou vous êtes prête. Si vous savez, le destin, évidemment que j'y crois, évidemment, bien entendu, c'est l'évidence même pour moi. Mais le destin, n'oubliez pas qu'il nous a préparés. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas là par hasard. Vous avez été préparé. Toutes vos galères et vos côtés positifs vous ont amené à arriver à ce jour. C'est juste que c'était le timing pour vous. Et c'est le timing pour vous. Vous voyez? D'une certaine manière, vous le méritez parce que vous avez parcouru tout ça. Et que en parcourant tout ça, vous avez créé le fait d'être dans de bonnes dispositions pour accueillir ce timing, ce destin. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une co-création. Sur la réunion et le miroir magnétique. Ouais. On vous demande de faire un effort sur des automatismes, sur une manière de penser ou de voir le monde habituel, des croyances, des manières de réagir, des schémas. Ça peut être du basique au basique. Hein. C'est-à-dire, par exemple, vous arrivez à un endroit où vous ne connaissez pas forcément beaucoup de monde et donc vous avez une tendance à être un petit peu renfermé. Ici, si on vous dit, prenez conscience de vous-même, regardez ce que vous vibrez. On vous demande de faire un effort. Donc, peut-être, soyez dans le fait de vous dire, bah, je vais me mettre dans une disposition, si on reprend mon exemple, je vais me mettre dans une disposition où en fait, je me dépasse un peu et je souris et au moins j'ai pas la tête d'une porte de prison. Vous voyez? C'est la prison, c'est pour ça que je dis ça. Vous voyez, un truc comme ça, au moins je souris. Ok, j'arrive pas forcément à aller vers les gens tout de suite, mais au moins je souris, je suis. Voilà, si je croise le regard de personnes qui me regardent, je souris, les personnes vont me parler et je leur réponds en mode conversation. Vous voyez, il faut prendre conscience de soi-même parce qu'on a des automatismes. Parfois, on n'est pas à l'aise dans un environnement où on est un peu stressé, etc. Et du coup, on a des comportements peut-être un peu fermés. C'est pour l'exemple, hein, mais c'est l'idée, c'est de prendre conscience de soi-même pour se dépasser un peu là parce qu'il y a de l'effort à faire là-dessus. Pour vraiment évoluer ici, présentement, sur ce que vous vibrez pour être dans la bonne disposition d'attirer cette chance, de voir la chance dans ce que vous êtes en train de vivre. Et ça passe par des choses comme ça. L'abondance. Bon, bah, les amis, et avec l'évolution de conscience. Ok. Bon, bah, les amis, autant vous dire que cet événement, c'est de l'abondance pour vous. Alors, vous savez que l'abondance, hein, c'est déjà obtenir quelque chose que l'on désire, que l'on veut, que l'on souhaite. Et c'est aussi une conséquence de certaines choses, parce qu'on a mis des choses en place pour l'avoir. Mais l'abondance, c'est toujours le petit plus qu'on n'avait pas imaginé en plus. Et que l'univers, il sait exactement qu'on en a besoin et qu'il nous le rajoute. En plus d'être content de ça, on a ça en plus. Moi, je le vois comme ça, l'abondance. Vous voyez? Et ça peut être sous toutes les formes, puisque l'abondance représente
que ce soit le fait d'être super heureux, que ce soit le fait de retrouver la santé, que ce soit le fait d'être en amour, que ce soit le fait d'être en financier, je sais plus si je l'ai dit, bref, peu importe, ça peut prendre beaucoup de formes. Okay? On vous dit dans tous les cas que vous avez une très très belle élévation de conscience. Le petit effort, il est vraiment à faire sur vos automatismes et de vous mettre dans des dispositions d'accueil et de bienveillance et d'ouverture. Je dirais que c'est ça, sur vos vibrations que vous générez face à ce qui se passe là. Ok? Écoutez, c'est un superbe message, mes amis vierges. Il y a de belles choses qui se passent, j'adore. C'est super. On va aller voir le professionnel. Allez, c'est parti. Pour la partie professionnelle, pour nos amis vierges. Oh, on vous annonce une bonne nouvelle qui arrive, ou qui est peut-être déjà là. Enfin, on vous dit tu vas recevoir, donc ça, c'est pour les 15 prochains jours. Il y a un événement familial, ok. Et ne regarde pas en arrière. Ok. Mes amis vierges, donc oui, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Hein. Il y a quelque chose qui débarque ici, que ce soit mail, que ce soit courrier, que ce soit retour, je ne sais pas. En tous les cas, vous allez recevoir quelque chose de très positif pour vous. Ça va vous mettre en joie. Et on vous dit de le célébrer. Parce qu'ici, avec l'événement familial, moi, je ressens qu'il y a besoin de le célébrer, il y a besoin de le sortir au grand jour et de dire, ouf, ça y est, je l'ai, j'y suis, j'ai obtenu ça, de ne pas vous cacher. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez une tendance à, lorsqu'il se passe quelque chose de positif comme celui-ci, à regarder en arrière, soit à commencer à décortiquer, est-ce que vous le méritez vraiment? Hein? Et donc de douter de recevoir cette chose. Ou bien de ne pas le voir à sa juste valeur par peur que finalement c'est cette espèce de dualité où ouais mais s'il y a quelque chose de positif forcément il y a quelque chose de négatif qui va arriver donc je le dis pas trop, je vibre pas trop ça parce que je l'ai vu par le passé, je me réjouis de ça et puis la semaine suivante il se passe ça. On vous dit arrêtez avec ce comportement. Arrêtez avec cette manière de voir les choses. On vous dit que ça vous a pas forcément porté dans le passé, en fait, et que parfois même, très certainement, ça vous a fait des retours de bâton. On vous dit libérez-vous de ça. Juste profitez du moment et accueillez-le. Vous le méritez. Profitez-en, célébrez-le avec les autres pour bien l'ancrer dans la matière, pour bien le rayonner, pour bien le vibrer, pour le diffuser dans les énergies et arrêtez de regarder en arrière. C'est aujourd'hui et devant que ça se passe. On va aller voir avec l'oracle céleste. Pour voir ce que ça rajoute comme complément. Alors, tu vas recevoir une bonne nouvelle. Est-ce que je peux en savoir plus en termes de précision? Alors, je vais prendre les trois du coup. Ok, très bien. Là et là. Ok, très bien. Vous voyez, on vous dit que ça va vous délivrer. C'est quelque chose d'extrêmement positif. Hein. On vous dit que c'est un choc positif. Je vous montre la carte pour que vous voyez bien. Il y a marqué le choc positif sur tu vas recevoir une bonne nouvelle quand même avec l'éclipse solaire. Ok? Donc c'est oui inattendu, mais c'est une sorte de délivrance pour vous. Je sais pas, je ressens ça vous rassure en même temps, ça vous met en joie en même temps. Du coup, vous vous sentez plus en sécurité. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait waouh, je m'y attendais pas et waouh, c'est ouf. Et en même temps, waouh. Et vous voyez comment c'est facile quand on vit un truc comme ça d'aller tout de suite vers mais est-ce que je le mérite? Est-ce que j'ai les épaules? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et blablabla, bla, 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 tous ces trucs-là. Vous voyez? C'est facile hein, d'aller là-dedans. Et je nous connais, les amis vierges, vous savez. C'est vrai que beaucoup de personnes me disent oui, quand tu parles, j'ai l'impression que tu es dans ma tête. Mais oui, parce que je fonctionne comme vous, les amis. C'est plus facile quand on. C'est vrai, hein, quand on est de ce signe, même si j'ai le sentiment de comprendre les autres signes parce que bah, je les ai beaucoup étudiés et que j'aime beaucoup les énergies des différents signes parce qu'on n'est pas que son signe solaire. On a tout dans notre thème, donc j'aime beaucoup les étudier par rapport à mon développement personnel et les placements. Mais c'est vrai que il y a certaines choses que je vois bien. J'ai beaucoup d'amis béliers autour de moi. Hein, je pense que vous le savez. Ah non, peut-être pas, c'est les béliers du coup qui le savent parce que je leur dis souvent. Mais je vois bien que des fois, elles me disent, mais c'est lunaire, comment tu vas? Comment tu analyses les choses et tout. Je dis oui, et elles, comme elles me disent, c'est marrant, vous voyez. Bref, tout ça pour vous dire que
c'est super positif. Ici, on vous dit, apportez-vous, avec l'énergie du cancer, on vous dit, entourez-vous, vraiment, pour célébrer cet événement, pour l'accueillir et pour en profiter, de partager cette joie. Faites-le avec les personnes qui sont de votre famille. Et quand je parle de votre famille, ça peut être votre famille d'âme, ça peut être vos amis proches, c'est pas forcément famille en tant que famille de sang, vous voyez. Mais en tous les cas, apportez-vous tout cet entourage maternant qui vous soutient, qui vous rassure, qui vous apporte ce socle, ces racines actuelles et qui vous font du bien ici. D'accord? Ici, on vous dit que avec la phase de la pleine lune, on vous parle de la phase de la pleine lune. Ici, je pense, les amis, que vous avez encore été un peu beaucoup secoués par la pleine lune en poisson, on me dit. La pleine lune en poisson, c'était celle du 31 août et elle était opposée à la Vierge. Et ça a été hardcore. Clairement, ça a été hardcore. Vous avez été catégorique là-dessus. Ça a été vraiment, et moi aussi, hein, c'est vraiment l'opposé de la Vierge. En plus, avec tous les, bref, les trucs astrologiques, je ne suis pas astrologue, mais je vous le dis, il y a Saturne qui est en poisson. Enfin, vraiment, ça a été complexe parce que ça a demandé de clôturer des dossiers, qu'on le veuille ou non. C'était le moment, quoi. Hein, il n'y avait pas le choix. Du coup, ça a été difficile et c'est ça qui peut vraiment ressurgir ici de ces peurs-là où on se dit « Mais oh, s'il y a encore un truc qui me retombe dessus, machin. » On vous dit « Stop avec ça. » C'était le moment à ce moment-là. Maintenant, on passe à la suite. Vous voyez? Vous dites « C'est bon. » On arrête des empreintes. Si ça s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y avait une raison. Maintenant, ça ne va pas se passer tous les quatre matins parce que je ne sais quoi. Vous voyez? Des raisons. C'est des phases. Des phases lunaires. Vous voyez? Ok? Bon. Allez. Allez, c'est parti. On y va. Hop, au niveau relationnel, sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis vierges, pour ces deux prochaines semaines? Ouh là, elle a sauté. Oh, la bonne récolte, on adore. C'est beau ça, il y a encore le timing qui ressort. Hein. On l'a vu avec la fatigue. Oh, la fidélité, la stabilité, ça fait plaisir. Faut dire qu'on n'a pas été gâtés ces derniers temps. La compréhension nouvelle, oh là là, les leçons, j'adore. Bon, mes amis vierges, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe qu'il y a un bon timing. Pour certains, il y a une récompense au niveau relationnel. Alors, c'est bizarre dit comme ça, la récompense, mais si vous voulez, si vous êtes en couple et que, par exemple, vous avez passé une phase sur laquelle, je ne sais pas, vous avez travaillé sur vous ou votre autre aussi a travaillé sur lui ou elle, vous avez fait des efforts, etc. Bon, ben là, on arrive sur une période où on est dans la récompense. On peut profiter du travail que l'on a fait ensemble à se comprendre, à évoluer, à passer des étapes, etc. Peut-être, voilà, il y a des difficultés, je ne sais pas, vous avez eu un enfant, ça n'a pas été évident au départ, etc. Bon, il y a une phase de récompense ici. Il y a quelque chose qui est mûr, qui est bon à récolter ici. Si c'est vous qui avez fait un travail sur vous, si vous avez eu un deuil, une rupture, je sais pas, et que vous êtes à la fin, ici on vous dit, ça y est, vous êtes prêt ou vous êtes prête, vous voyez? Et pour certains, c'est le bon timing. En tous les cas, enfin c'est pour tout le monde, mais il y a cette idée que là, ça y est, c'est le bon timing. Et ici, avec la fidélité, c'était tout à l'heure, hein. Si vous n'avez pas regardé l'oracle des miroirs, regardez-le parce que c'est en complément, c'est très intéressant. Ici, on vous dit qu'il y a une situation ici, pendant ces 15 jours, qui va se montrer très sérieuse. Vous allez être dans le sérieux et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un côté très, très sécurisant dans votre relationnel. Peu importe que ce soit une nouvelle rencontre, peu importe que ce soit dans votre couple ou que vous vous sentiez en sécurité intérieure ou que ce soit amical qui vous fasse ressentir ça. Dans tous les cas ici, vous êtes dans une période où vous ressentez de la fidélité mutuelle et vous vous sentez déjà en fidélité avec vous, mais aussi avec l'autre. Il y a quelque chose avec l'autre de rassurant ici qui vous fait du bien. Et c'est très, très stable. Hein. C'est très, très stable. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au milieu de cet environnement, qui est quand même agréable ici, là, hein, ça fait plaisir, il y a des compréhensions qui vont venir. Parce que vous savez, les amis, quand il y a des situations qui ne vont pas, et c'est compliqué, on est dans le dur. On est en train de comprendre des choses, on conscientise des choses, mais c'est dans le dur. Mais dans les périodes où ça va bien, où là, en tous les cas, il y a quelque chose qui se stabilise et qui est très intéressant, qui est très beau, on ne peut s'empêcher de comparer et de voir qu'on est dans un tel bonheur ou dans de telles choses que l'on désirait tellement, que l'on regarde en comparaison de ce qui n'était pas. Et c'est au moment où on va aller revoir les choses qui ne sont pas comparées à ce que l'on a là qui est, que l'on a des compréhensions nouvelles. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez passé une période très difficile où peut-être vous avez enchaîné des relations
moisies, des dates pourries, je sais pas, des trucs comme ça. Là, vous étiez là, mais c'est pas possible. Et en fait, là, j'en sais rien, vous faites une belle rencontre, ou vous êtes dans une situation où ça se passe bien, où c'est sécurisant et tout, vous dites, mais évidemment que ça n'allait pas. Évidemment. En fait, la personne n'était pas du tout sécurisante pour moi. Elle agissait pas du tout comme moi, j'en ai besoin dans ma vie pour me sentir en sécurité. Parce que c'est pas qu'elle agit pour vous, c'est que sa manière d'être est sécurisante pour vous. Et en comparaison, vous vous dites, mais évidemment, évidemment. Les compréhensions sont tout autres. Alors qu'à ce moment-là, vous étiez en mode, mais je comprends pas, mais c'est moi, mais pourquoi les gens, machin. Vous voyez, vous n'arriviez pas à comprendre. Il y avait quelque chose qui était. Quand on est dans le dur, qui nous échappe, et on est là, mais c'est parce que voilà, les personnes, il n'y a personne de bon pour moi, ou je ne sais quoi, vous voyez toutes ces phrases que l'on se dit. Et là, vous l'avez. Là, ça y est, vous comprenez. En comparant d'une certaine manière, vous voyez, en comprenant le chemin. Et ça, c'est beau aussi, on aime bien. Hein. Quand c'est dans le dur, c'est relou, mais quand c'est comme ça, c'est sympa aussi. Hein. Allez, on va aller voir les précisions. Hop. La bonne récolte. Qu'est-ce que je peux avoir comme précision, s'il vous plaît, pour mes amis vierges sur la bonne récolte? Là, nous avons réussir la bonne. Vous voyez, on a Jupiter, le retour de Jupiter, la grande réalisation. Bon, les amis, je pense que vous êtes à l'aube là sur les 15 prochains jours. Attention, hein, il y a un top départ important. On l'a vu tout à l'heure qu'il y avait le départ qui était là de nouveau dans l'oracle des miroirs. Là, c'est vraiment le bon timing pour vous. Les choses vont se décanter d'une manière inattendue. Je pense que vous ne vous attendez pas à ce qui va arriver. C'est incroyable la tournure dont ça va prendre. Puis Jupiter, je vous rappelle que c'est l'expansion, hein, ça grossit les choses. Et ici, on vous dit réussite, bonne fortune, grande réalisation. Est-ce que je peux être plus claire sur le fait de récolter la réussite? La bonne fortune, si ça concerne éventuellement, moi je pense que la bonne fortune, on peut l'utiliser en termes d'expression sur un peu tout, hein, surtout si on se sent gagné au gros lot, c'est souvent ce qu'on dit, j'aime bien cette expression qui dit mon compagnon ou ma compagne, j'ai l'impression tous les jours d'avoir gagné au loto. C'est ce sentiment-là. Vous voyez, c'est beau en fait en soi, le comparer comme ça. Moi, je trouve, en tous les cas. Bref, il y a une belle réalisation qui est en train soit de s'accomplir, soit ça arrive et vous êtes en plein dedans. Si, comme je vous l'ai dit, c'est votre histoire de couple, vous avez voilà, dépassé des choses ensemble et là, bah, c'est la grande réalisation, vous êtes en train de concrètement vivre le fruit de votre travail. Ou bien si c'est avec la rencontre, c'est pareil. De toute façon, vos expériences passées, ça a été du taf pour vous amener à ce bon timing. Donc là, ça va s'expandre avec Jupiter, attention, on rigole pas. Qu'est-ce sur la fatalité? Oh là là, l'énergie de la balance. Les amis, alors ça peut être une personne balance, ou si ça correspond à une personne, signe solaire, ascendant ou lunaire. Dans tous les cas, ici, on vous dit que ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, il y a quelque chose de très juste. Dans le donner et dans le recevoir qui se passe là, en termes relationnels, il y a quelque chose de très juste et équilibré pour vous. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est la récolte. Du fait que vous ayez agi de manière juste pour vous, par rapport à vous, dans les situations. Et vous avez très certainement coupé avec des choses auparavant. Vous avez dit maintenant ça suffit. Et du coup, naturellement, vous attirez à vous des choses justes parce que vous êtes respecté, vous êtes écouté. Ici, on vous parle de 15 jours où ça peut être vraiment très. excusez-moi. Très dans le charme. Vous pouvez vraiment connecter à quelque chose de très doux, avec beaucoup de romantisme, beaucoup de douceur, vous voyez? Vous allez peut-être avoir envie du fait de vous sentir en sécurité avec l'autre et dans une stabilité, dans un sérieux, avoir pas de souci à aller dans du jeu, dans de l'amusement, dans de la créativité. Vous allez peut-être avoir envie de faire des choses sympas. Pardon. Avec l'autre, vous voyez? Vous allez vous laisser porter par de la légèreté parce que vous vous sentez en sécurité. Vous voyez? Donc, vous n'avez pas peur d'être dans la vulnérabilité, etc. Puis bon, il y a du charme, il y a du charme, il y a du charme, hein, ça fait plaisir. Ok. Parce que les amis vierges, pour sortir ce côté-là, il faut se sentir à l'aise avec l'autre. Hein. Je connais. Hein, on n'est pas dans notre côté romantisme, comment dire, de prime abord. Mais par contre, on sait qu'on en a un. Dites-moi en commentaire, mais souvent, moi je sais que souvent les personnes qui m'ont connue un peu plus,
m'ont dit, oh, j'aurais jamais imaginé que tu étais comme ça. Bah ouais, mais faut se sentir en sécurité. Et puis, enfin, faut se sentir, accueilli, je sais pas, il y a toute une notion pour, voilà. Bref, c'est comme ça. On vous parle de l'hiver ici, les amis. Je pense que pendant cet hiver, vous allez avoir une grosse période, et ça, c'est très intéressant. On peut vous parler de personnes Capricorne, Verseau ou Poisson. Si c'est vous, votre ascendant, votre signe lunaire, renseignez-vous, allez voir la guidance, parce que ça peut vraiment vous aider là-dessus. En fait, il va y avoir vraiment une clôture de cycle sur ces compréhensions nouvelles, sur toutes ces explications que vous allez avoir à travers ces événements positifs qui se passent pour vous, là, tous ces chamboulements, toutes ces évolutions. En fait, vous allez avoir des compréhensions nouvelles et ça va vous permettre de clôturer réellement un cycle, et je pense des cycles longs qui vous ont pesé, qui ont été lourds en fait, et qui avaient à chaque fois des conséquences, et vous avez l'impression de travailler sur vous, de libérer des trucs, mais non, il y avait une situation qui revenait, qui ressortait le dossier, vous voyez. Là, pendant cet hiver, je pense que vous allez vraiment pouvoir, au fur et à mesure, tourner les pages, conscientiser, passer. C'est pas du nettoyage, c'est pas de la guérison, c'est vraiment de la clôture, quoi. C'est vraiment, limite, c'est vous qui. En fait, c'est ça la clôture de cycle en vrai, c'est que nous, on décide, on dit, ok, ça y est. Je conçois que c'est derrière moi. C'est réellement terminé, vous voyez? Et on décide de clôturer le cycle en fermant le livre. Magnifique message, mes amis vierges. Les amis, avez-vous une petite question? Si c'est le cas, eh ben c'est le moment, formulez-la. Sinon, pensez fort à votre sujet. Et on va voir ce que les anges ont à vous dire à ce propos. Ou comme conseil, parce que parfois, c'est plus des conseilleurs que des réponses. Donc, on va les voir. On vous dit des relations profitables. Hop. Et le pardon. Ok, très bien. Les amis vierges, ici, on vous dit que. Alors, par rapport à votre sujet, on vous dit que les relations ne sont pas toujours à voir. Relations interpersonnelles, je parle vraiment, dynamique relationnelle. Ne sont pas toujours à voir comme de la perfection. Comme le fait que si, par exemple, une relation est dans, je sais pas moi, vous avez une relation avec quelqu'un dans votre situation et cette personne, vous donne exactement normalement cette compétence, par exemple. Si on parle du boulot, on va dire ça. Voilà, on va prendre un exemple de boulot, ce sera plus simple. Par exemple, cette personne, vous travaillez avec elle parce qu'elle vous donne toujours cette compétence. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, elle ne peut pas vous donner cette compétence. D'une manière ou d'une autre, elle n'est pas disposée, elle ne va pas bien, etc. On vous dit d'arrêter d'être intransigeant dans cette situation. Parce que c'est ce qui vous empêche d'être dans la bienveillance. Non, c'est pas dans la bienveillance, vous l'êtes, mais c'est dans le pardon, dans le fait d'être. En fait, en effet miroir, moins exigeant aussi avec vous-même. Vous n'êtes pas infaillible, les amis vierges, et les autres non plus. Plus vous allez reconnaître et pardonner l'autre d'être dans sa vulnérabilité, de ne pas être infaillible, plus vous allez lever votre exigence aussi à vous-même et vous accorder le fait de ne pas être infaillible. Vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans la compréhension et dans le côté serviable. C'est pas le problème. Je suis pas en train de dire que vous êtes rigide comme pas deux. C'est juste qu'ici, il y a un espèce d'effet miroir qui, dans la situation où vous questionnez, qui vous demande en fait d'être moins exigeant avec vous en pardonnant l'autre pour vous reconnaître aussi dans cette vulnérabilité et en vous pardonnant aussi. C'est un espèce d'effet d'effet miroir. Je sais que ça peut paraître un peu tordu comme ça, mais c'est le message. Réfléchissez-y, revenez dessus si jamais. Je pense que vous allez voir ce que je veux dire. Ok, on va aller voir le chakra débloqué, les amis, avec mon petit oracle improvisé. Allez, je tire une petite phrase pour vous et on va voir quel est l'oracle pour vous. On vous dit, écoute-toi d'abord et c'est le chakra de la gorge, les amis. Eh, j'ai eu un truc avec le chakra de la gorge tout à l'heure. J'avais un truc dans la gorge et c'est passé. Donc, déblocage du chakra de la gorge. Et oui, effectivement, je ne sais pas si vous savez, mais le chakra de la gorge comporte la gorge, mais aussi tout ce qui va être évidemment la parole et les oreilles. Et c'est important parce que le chakra de la gorge, en fait, il vous permet de vous écouter d'abord pour pouvoir exprimer et extérioriser au mieux. Mais d'abord, il faut pouvoir s'écouter. Vous voyez? Donc, je vous montre le chakra débloqué avec du coup le Moon Expression, les amis. Donc, on est, c'est super parce qu'on est sur un thé vert à la menthe avec de la menthe douce et de la menthe poivrée. Donc, côté purification, ça envoie avec de l'aloe vera qui apporte toute cette douceur et cette. Si vous voulez, les deux menthes apportent un côté avec leurs propriétés hein, de.
purifier tout le fluide, toute l'énergie d'écoute et de mettre de faire de la place dans ce qu'on a à entendre de soi, à exprimer de soi, pour pouvoir avec l'aloe vera, avec la fraîcheur et la douceur de l'aloe vera, l'exprimer tout doux. Vous voyez, c'est vraiment ça qui fait, c'est incroyable, vous verrez. Vous me direz, pour ceux qui l'ont à la maison, donc je vous invite à vous accompagner avec le Moon Expression au quotidien pour débloquer votre chakra de la gorge. Si vous ne l'avez pas à la maison et que vous voulez vous le procurer, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Et surtout, vous ne passez pas à côté, vous avez une réduction spéciale pour votre première commande pour la communauté YouTube. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon Tea est une marque de thé infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner à débloquer vos chakras au quotidien grâce aux vertus des plantes dans des thés et des infusions. Je vous laisse découvrir tout ça, le petit plus. Comme vous pouvez voir dans la lune ici, sur chacune des infusettes, vous avez un QR code imprimé que vous pouvez flasher au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi. Voilà les amis, le Moon Expression pour vous, pour débloquer le chakra de la gorge. Et je vous rappelle la petite phrase, écoute-toi d'abord. On termine avec le petit conseil? Allez, c'est parti pour nos amis vierges. Le conseil pour ces deux prochaines semaines, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil, s'il vous plaît? Oups. Le progrès. Aujourd'hui, je regarde au fond de moi ce qui bloque l'avancée de mes projets. Je ne fais qu'une avec la résistance afin de la désactiver immédiatement. Je choisis de transmuter chaque énergie lourde en légèreté et fluidité. Je laisse couler la source d'amour et de guérison sur mon aura afin de me purifier. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et de l'énergie pour créer votre vie sur ces deux prochaines semaines. Les amis, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Les amis, si vous avez aimé, exprimez-le. N'oubliez pas, c'est très important. Et moi, ça me fait super plaisir déjà pour commencer d'avoir vos feedbacks, d'avoir votre retour, d'avoir vos likes. C'est très important d'avoir vos petits commentaires sous la vidéo pour me dire juste un petit coucou, un petit merci. Si vous voulez me dire comment ça résonne, c'est encore mieux. Bien évidemment, ça me fait super plaisir de vous lire et de voir vos retours. Maintenant, si vous n'avez pas envie, ce que je peux tout à fait comprendre, un petit cœur, un petit bonjour, un petit merci, ça fait vraiment extrêmement plaisir à recevoir. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo ou peut-être la vidéo pour son signe pourrait lui parler, eh ben, n'hésitez pas à lui transmettre. C'est grâce à vous les amis que mon travail perdure et qu'il s'expand. Donc je vous remercie du fond du cœur et n'hésitez pas, tous vos petits gestes sont la continuité d'un grand tout. Et c'est important et j'adore quand vous y contribuez. Et voilà, c'est un échange d'énergie tout simplement. Je vous remercie du fond du cœur les amis d'avance pour tout ce que vous faites. Et puis, je vais vous souhaiter de merveilleuses semaines. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, comme toujours. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.